Alors j'ai promis Et d'arrêter ça. bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Zomboid Project, le project avec des zombies dedans. Et ça se passait pas trop mal, hein. On est toujours en multi-coop avec Slan, salut Slan. Salut! Vous avez entendu cette douce voix au démarrage, avec Damned qui est sur son tas de déchets, salut Damned. Ouais, salut! Et on a vu Katox qui passait quelque part dans mon dos, mais vu que je ne vois que dalle. Salut! Ah, tu vois toujours rien. Bon, bah. Non mais en fait, je sais pas, j'étais en train de me reposer sur la chaise parce que j'étais essoufflé, alors du coup, ça Alors, limite un peu on a l'ambiance. fait un petit interlude entre deux épisodes où on s'est dit que vous n'aviez pas envie de revoir le retour en voiture, surtout que de toute façon c'était Damnet qui conduisait, donc il n'y a pas eu d'accident en particulier. Merci. Et donc je suis de retour à la base et j'ai même pris 5 minutes pour lire quelques livres, puisque mon personnage recommence à zéro, il fallait relire tout. Voilà, vous avez échappé à ça. Et j'ai ramené un véhicule très sympa. Ah oui, on a une nouvelle Qui a un voiture. grand. Ah bah ouais, alors par contre, pour que tu sais, je sais pas si tu te souviens, on a un mec qui adore créer une case devant chez nous. Et du Ouais, coup, je l'ai mis de interdit. côté. Ça, si tu veux la voir, elle est. Je sais pas où t'es. Je suis en haut, je suis Oh, il à y a l'étage là. l'hélicoptère! Non, pas Oh non, il y a l'hélicoptère! l'hélicoptère, ça va être la galère, ça commence. Ah oh, putain! Oh là 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 là. Tiens, si tu veux voir le véhicule, viens là où je suis. C'est ça que je vais te Alors, montrer. pour info, comme on a l'intention de fermer tout ça. Il faudra mettre les véhicules sur la route plus tard. Avant que Ouais, ça soit fermé en tout cas. on a de l'équipement Le là-bas. gris, non, le noir c'est pas moi, mais le gris par contre c'est moi. Et il a un coffre à 100. Ce que j'avais envie de proposer, c'est que vu que moi je suis barbouillé et que je vais donc probablement crever, j'avais bien envie de faire des allers-retours jusqu'à la scierie pour ramener du bois en masse. Eh, vous voulez qu'on y aille, hein? Bah ouais, je me disais à la limite, Slan, tu me montes le chemin. Et puis après, Ah moi ouais, il est j'enchaîne des facile en allers-retours plus le jusqu'à ce que je chemin. crève, quoi. Il est facile le chemin. De Par toute contre, façon, faut on très va crever important, avec il faut l'hélicoptère, hein. partir avec des voitures vides, sinon on aura l'air très bête arrivé là-bas. Ouais, bah c'est pour ça, on prend deux voitures vides, moi je prends le truc avec un grand coffre là, et puis. Alors, on aurait tellement intérêt à prendre 4 voitures sur toute l'hélicoptère là. Ah ouais, mais franchement, on va en chier avec l'hélico, hein. Ben non, justement, l'hélico, il est pas forcément obligatoirement sur toi. L'hélico, il fait tourner des hordes de zombies autour de nous. Alors si on s'en va, l'hélico, il va. Si on est au mouvement, l'hélico, il aura pas beaucoup d'effet pour nous. Ouais, parce qu'il y a des zombies qui se pointent là, hein. Ouais, C'est parce qu'il est en stationnaire au-dessus de nous. En général, faut rester caché dans les bâtiments dans ces cas-là. On va pas C'est rester qui tout le temps s'amuse caché dans avec le bâtiment. un hélico comme ça là? Ah, c'est un event? Toi, tu dis, t'imagines que c'est l'armée? Alors non, c'est pas l'armée, c'est des caméras de télévision. Ah, Le encore mec, mieux! il est en train de montrer les survivants à la télé et il dit, regardez, il y a un survivant là. Et il braque le projecteur sur toi en pleine nuit, tu sais. Ah, c'est bien! Oh Parfait! putain, c'est énorme. Et C'est donc l'idée du du coup, siècle, ça! si on met la bonne chaîne, on peut se voir. Voilà. Maman, je passe à la Non, télé. et je rigole pas, c'est vrai. WLBL Ah bon? News. Ouais, mais pas forcément en Ils direct, des fois. commencent à rêver, mais ils viennent pas directement vers le Tuggies. Ils passent sur le côté. Alors en fait, voilà, ils suivent l'hélicoptère. L'hélicoptère, il est pas toujours au-dessus de toi. Par contre, des fois, quand t'es en extérieur, il a une tendance à venir au-dessus de toi. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'une bagnole avec les clés dans le truc. Parce Alors qu'il attends, y a parce que une moi caisse du ici qui coup t'es Il y a une cliquée. caisse maintenant à l'intérieur, ouais. Et des cartes d'ailleurs aussi. J'avais plein de livres à poser là, je vais les poser par terre en attendant histoire de pouvoir partir vite, je suis désolé Damned. Hein. Et alors Okay. on fera un épisode spécial bibliothèque où il y aura des gens dans la bibliothèque et d'autres ici pour lire les livres qui nous manquent. À celle-là, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de roue, Donc ce d'accord. sera un épisode où je ne serai bien sûr pas là. Bon, bah moi je. Ah, il y a une horde qui passe au sud. Il n'y Hop, a que la blanche pour somnifère, ça l'instant. va là. Alors j'ai des planches et des poignées de porte, ça va où ça? Alors attendez, parce que la planche elle a pas de vitre. Je vais regarder Les si je peux. planches, c'est dans les grandes caisses comme ça là. Ah oui, c'est Ça vrai, prend je le vraiment de savais en place. plus. Et les poignées de porte, c'est sur l'étagère à droite du comptoir. Voilà. Et le reste, je ne sais pas. Elle est bien abîmée, elle, quand même, hein. Alors, Fenêtre avant ça gauche, commence de à taper un peu gauche, partout. Javel. Poignée Ouais, de ça porte, commence c'est à être un peu le là. bordel là. C'est où? Moi, j'entends rien. Poignées de porte, elles sont l'étagère Là, il y en a fer, hein. une horde qui s'installe juste au-dessus des tombes. Ok, bah j'arrive alors. Je vais faire le nettoyage. Courage. Parce qu'il y en a quand même un bon. Oh, ça se fait? Bah, on prend les voitures et on décolle ou? Attends, attends, il y Bah, a on une horde à pourra. côté de chez nous. Ça Oui, serait mieux de pas la mais. laisser là. J'en dégomme pas mal, hein? J'en ai one shot quelques-uns, hein?
Bon, après l'hélicoptère est toujours là, hein, donc va falloir qu'on se barre, mais... Attention Katox, hein, dans ton dos. C'est bien d'avoir un mec qui repousse comme ça quand même, hein. Ça va repousser, c'est drôlement efficace, hein. Quand t'as d'autres mecs qui sont efficaces, ouais, c'est pas mal, hein. Bon, vous voulez qu'on se barre? Ouais, on nettoie la horde là quand même, hein. Ok. Parce que ça arrive encore de la forêt là. C'est ouais, mais c'est bon, si c'est pas un rat de la voiture, c'est pas, là, c'est pas grave. L'hélicoptère est là, faudrait me qu'on parte. Par contre, j'ai trouvé qu'une seule voiture avec la clé. Bah, au pire, j'ai la mienne là, la grise déjà, je peux prendre d'une personne. Bah, déjà, moi, bah, j'ai la clé de la marron. Hein. Ok. Oh putain, y'a du monde aux bagnoles aussi, hein. Oh la vache. Putain, par contre, j'ai plus beaucoup d'essence. Hein. Bah, on va aller à la station. Qui c'est qui veut venir dans la mienne? J'ai une place. C'est bon, allez, c'est bon, on se barre. Attention, 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 je fais ma manœuvre. Pas ouais, tous en même temps. J'attends. Katox, tu me rejoins? Tu prends une autre voiture, comme tu veux. Non, je change. Voilà. C'est beau là-haut. Ah, t'as eu des bibibes de recul, en plus. Ah, vous avez tellement une bagnole de mafieux derrière. Alors, on est tout... Putain, ça slam, slam qui recule, attention les gars, restez bon, 300 mètres derrière. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. De toute façon, on va à plus drogue, hein. La, ouais, la ouais, série, mais elle est à Muldrogue, hein. Je sais pas où elle est, moi. Ouais, mais elle est à Muldrogue de toute façon, donc c'est... Donc tu fais le chemin retour. Ah, on repart de là où on vient? Ah oui, voilà, exactement, ça. Ouais. Attention... Non, faut pas... C'est bon. Mais t'as l'aide. Mais je te vois trop... Je te vois... J'avais pas assez de recul pour freiner, moi. T'as pas assez de ouais, recul. Ouais, on va essayer de rester à distance, mais c'est chaud. Hein. Ouais, ouais, non, mais même de toute façon, il faut qu'on soit à distance... Bon, je suis quasiment en petit. Il y a quelqu'un qui klaxonne. Qui klaxonne? Oui, c'est moi. Parce qu'il y a une énorme horde qui est en train de foncer vers notre base. Alors je les attire plutôt vers ma voiture. Et je vous rappelle que la rue que vous avez prise, c'est une impasse, hein. Je sais pas, moi je te suivais. Ah bah alors dans ce cas-là, t'es pas dans une impasse. Non, c'est moi, je suis sur la bonne. Bon, je vous ai perdu par contre, mais. Bon, je vous attends. C'est bon. Attends, y'a moi, mais je sais pas où est Damned. On est du côté des burgers, Damned, je passe sa tête. Je pense que Damned, il est parti tout droit, qu'il est dans les zones pavillonnaires. Ouais, je suis parti un peu tout droit, je vais repiquer dans le centre. Je vais le chercher, Katox. Je suis à côté du truc de police, du commissariat de police. On va faire le plein, limite, parce que. Ouais, bah si tu sais où il y a une station, Katox. Au-dessus, remonte. Bah, faites gaffe, y'a quand même du monde, hein. Ah bah, remonte. Voilà, juste ici. Est-ce alors, que t'as coup, trouvé l'ambulance, Damned? Non, je suis à côté du commissariat de police. Tant que t'es assez proche, ça va. Là, ouais, je suis sur le parking d'un espèce de centre commercial en plein milieu, là. Ok, bah attends, je te suis, j'arrive. Ah, c'est bon. Allez, c'est bon, stop. Okay. Tu me suis? Je te suis. Ah putain, je suis tombé. Chier. Ah. Alors oui, on a défini qu'effectivement, le problème... Reste bien calme, ouais. pas bouger. Le problème de quand tu tombes, quand tu sors, c'est effectivement un lag, visiblement, à cause du multijoueur. En fait, la voiture n'est pas arrêtée sur le serveur quand on descend. Du coup, bah, ça couillasse, quoi. Ah, en fait, il y a une solution, la solution, en attendant, pour ne plus tomber, c'est qu'il faut arrêter le moteur, en fait. Si t'arrêtes le moteur et que tu sors, il n'y a plus de chute. J'ai fait des essais en off et ça marche très très bien. Faut-il pouvoir arrêter le moteur rapidement? Et t'as fait des essais sur ton propre serveur ou sur le serveur avec... T'étais juste là, mais c'est pas grave. Ah, si c'est sur ton propre serveur, ça prouve rien. Non, on était là quand je l'ai fait le test. Ah oui, bah alors oui, alors c'est bon alors. Ok, t'as peut-être passé... passe devant, t'es trop dangereux. J'ai vu passer Slan. Ah non. Dis Slan. Ouais, Slan virage quoi. Dixit Slan le virage quoi. C'est par là donc du coup? Ouais. Bon bah je trace moi. Est-ce que je peux pas mettre la radio? Ouais, tu peux. Parce qu'il parle pas, putain, parle peut-être de nous. Certainement. Nous suivons un convoi de survivants sur l'autoroute. C'est magnifique. Bon, je me suis pas refait chiquer, non. C'est... Option de l'appareil, la radio allumée. Ah, moi, y a Katox qui a mis la radio, ça y est. Ouais, faut-il trouver la fréquence? Vous êtes très près l'un de l'autre. Ouais, mais on est sur les deux voies différentes. Alors là, il y a un virage, ouais, par contre, je vais attendre. Sauf qu'il va tourner à gauche, voilà. Il y a un livre par terre, c'est pas toi qui avais perdu un livre? Si. C'est mon livre pour les nuls, là. Tu te souviens qu'au retour, tu peux prendre le véhicule que t'avais vu, Slan, si on a de l'essence? Mais on n'a pas pris de jerrycan parce qu'on est des idiots.
Oui, mais on va peut-être en trouver une quelque part. On a suffisamment pour de bagnole pour l'instant. Non, non, mais on en a trouvé une très très sympa. Il y en a une super méga belle là. On va et passer qui est à en côté. Très bon état et qui vaut le coup d'être prise à la place de l'autre, je pense, mais manque d'essence. Je vais ralentir un peu. Voilà. Ah, je commence à être nauséeux. Attention. D'un coup, la voiture, elle va s'arrêter. J'ai une question très très bête. Qui a pris les cordes? Et quoi? On avait besoin de cordes. Ah bah oui. Je sais pas, moi, je suis parti un peu à l'arrache, j'avoue. Ouais, il y a une corde, faut dégager. Moi, j'ai dégagé. Moi, j'y pensais plus aux cordes. On a bien fait de partir vite. Non, mais c'est vrai qu'avec des cordes, on aurait pu ramener plus de bois. Ouais, bah si jamais on meurt, on sera bien content de... pas avoir pris les cordes, voilà. On va pas mourir. Il y a de la panique dans la zone d'exclusion, mais il n'y a aucune raison de penser qu'il y a eu des pertes. Tout va bien. Je fais cette annonce le 14 juillet 1993 à 11h du matin. Beaucoup de rumeurs circulent, beaucoup de mensonges. Ceci ouais, est c'est... un appel au calme. C'était il y a deux jours, c'est marrant, hein. Vous voyez, on a les infos. Confirmer qu'il y a bien eu épidémie. Ouais, ouais, c'est le général John McCartney. La maladie est pour le moment non identifiée. Elle ressemble à la grippe, elle provoque la panique, elle provoque la confusion. Ouais, il y a un peu de ça. C'est toujours tout droit ou faut tourner un moment après? Nous n'avons pas de preuves quant à des morts au sein de la zone d'exclusion. Bah non. Nous utilisons une force mesurée et pertinente pour surveiller les frontières. Des coups de semonce ont été tirés. Putain, je savais pas qu'aucun civil n'a été blessé, quoi. C'est faux, un civil s'est fait rouler dessus. Nous devons nous assurer que cette infection ne puisse pas se propager. J'échange avec le président toutes les heures sur le sujet. Non, non, mais surtout, ce qui est très marrant, c'est que le mec, il a l'air de considérer que les contaminés, c'est pas des humains, quoi. C'était chaud, Damned, qu'est-ce que t'as fait? Quoi? T'es arrêté. Ah bah, j'ai des... Ouais, t'as... des zombies, je les écrase. T'as disparu. Non, mais t'étais arrêté devant moi, et d'un seul coup, t'es... Ah, c'est un bug, t'as alors disparu, que donc ouais. Je pense que j'ai eu un lag, il y a eu plein de zombies qui sont apparus sur ma position d'un coup, j'ai dû laguer un peu. Alors, faut suivre les traces de sang, là. Tu peux faire ça. Et tu vas tomber au moins sur le véhicule, tu verras un beau véhicule sur ta droite, à la fin de l'embouteillage, et tu comprendras le véhicule qu'on voulait récupérer. Alors, Katox, tu me dis si jamais il y a un chemin spécial. Hein. Moi, je suis pour l'instant. C'est un pick-up avec un gyrophare, il est trop beau. Ah, celui-là? Ouais. Ah oui, il est propre, il manque juste de l'essence. J'avais déjà essayé de le récupérer quand je suis revenu la dernière fois, je crois. Il me dit quelque chose. Donc quand on sera au centre-ville, la... Attention, ça va falloir freiner, et après il faudra que tu prennes par la droite. Hein. Il y a les, ouais, ouais. Là où il y a les ambulances... T'inquiète. Et après c'est entre la carcasse et la voiture rose. Alors je tiens à préciser que si jamais vous coupez des arbres, normalement ils réapparaissent pas, hein, les arbres coupés. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu couper un arbre. Contrairement aux voitures. Ouais, parce que je me souviens que ces voitures-là, tu les avais nettoyées, Slan. Plusieurs fois, ouais. Puis elles réapparaissaient au fur et à mesure que je les nettoyais. Ouais, parce que là, pour le coup... Ah, mais on peut ça carrément... A l'air bien belle, là, on peut carrément choisir ouais. Chercher les fréquences, en fait. Ah, je savais pas. Ah, ouais. Faut les connaître, après. Non, mais tu cliques sur rechercher, le mec le fait tout seul. J'ai pas ça, moi, j'ai réglé. Ah, mais attends, mais nous, on a une voiture de luxe aussi, Katox. Ah. T'as un bouton recherché, toi? En fait, t'as plusieurs choix. Tu peux. Moi, j'ai réglé, ajouter un pré-réglage, modifier le pré-réglage, retirer le pré-réglage. Bah, moi, j'en choisis une, genre Nox Talk Radio, régler, et il va régler sur la fréquence, et s'il y a rien, bah. Tu captes rien. Oui, bah voilà, mais si tu veux qu'il bascule automatiquement sur les autres radios, tu peux pas. Ah, ouais, non. Ah, bah oui, voilà, faut les chercher à la main, c'est ce que je dis. Et on a un 93, hein. La technologie à ce moment-là. Il n'y avait pas encore le RDS, hein. Ouais, voilà, merci, hein. C'est le nom que je cherchais, le RDS. On se demande qui est le vrai mécano ici, hein. On a bien un viewer qui va nous dire que le RDS a été inventé en 1992 et qu'on est des caves. Ouais, c'est possible. Oh oui. Ce virage de l'amour. Il a été inventé à cette année-là qu'il était popularisé dans toutes les voitures. Voilà, ah. C'est ça. Hein. Notre voiture date de 91, voilà. Voilà. Et on est dans le fondement le plus profond des États-Unis. Le temps que ça se propage, on a le temps. Et ceci dit, il y a plusieurs types de postes de radio à mettre dans les voitures. Il y a des postes de radio plus performants que d'autres. Hein. Ah bon? Est-ce qu'on peut avoir un radio CD par exemple? MP3, on n'en parle pas. Hein. Je me demande, MP3, mais je non. Crois qu'on. Je sais pas si c'est dans le jeu de base ou si c'est dans Hydrocraft qu'on peut trouver des CD. Bah, moi j'en ai déjà vu des CD dans ce jeu. Bon, ouais, bah, moi voilà. Aussi, ouais. Ah bah oui.
Bon bah du coup j'ai pas changé mes bandages avant de partir, du coup je commence à vraiment être nauséeux. Ok, donc on est arrivé, par contre je sais pas où est la Syrie après, donc je vais peut-être m'arrêter. Bah, la Syrie, elle est sur la droite mais je me souviens plus, et là je regarde pas la map, donc va falloir que Elle est pas loin de Turquie devant. En fait. Tu veux dire Katox, tu sais toi? Ouais, je veux dire qu'elle est pas loin de la Turquie. Je vais me garer sur le côté hein. Elle est plutôt vers le bas la Syrie, elle est en dessous de la War Rose hein. Non, elle est au-dessus. Et y a un mec qui raconte sa vie, merde. Voilà, j'écoute et je regarde plus. Je suis parti rendre visite à un cousin, mais la nuit précédente, il s'est passé des choses étranges. Des hélicoptères qui volaient bas vers Muldrow. Voilà. Ça arrive, nous sommes une ville de garnison. Oh là là, il y a trop de zombies chante. Là. Je sers les gars la plupart des soirs. Ça paraissait inhabituel. Le lendemain, je reviens. Paf ! Zone interdite. Sur M6. Attendez, je remercie Dieu d'avoir été avec ma femme et mon chien. On remonte. Vous êtes où ? On a des... Je sais pas, moi je roulais en esquivant les plus ou moins les zombies. Vous êtes en train d'écouter une musique, vous, par contre ? Parce que je vois, je passais à côté, il y avait les paroles de la musique. Attendez, c'est par là, c'est pas encore, c'est là, c'est ici. Il me semblait que c'était sur une... Regardez, il y a un petit chemin là, à droite. Un petit chemin sur la droite, à la con. Voilà, ici, c'est ici. Oh ! Dame Ned. J'arrête pas de la cogner alors que je la colle jamais. Ah oui, c'est carrément là ! Ouais, c'est là. Oh, en fait, il y a une route qui est bétonnée, hein, mais bon, tu connais cela. La route bétonnée, elle est quand même légère. Hein. J'espère que cette excursion sera intéressante. Ah bah, on va ramener du bois. Hein. L'intérêt, il est surtout d'avoir du bois. Stop-toi. Bah, je voulais me garer près d'un truc à bois, mais. Ah putain, j'ai pas. On peut les fouiller, les tas de bois ou. Ouais, y'a des bûches là. Y'a plein de bûches partout. Bon bah chacun un endroit, c'est bien. Bah oui, mettez-vous pas trop près. Surtout, mettez-vous pas trop loin de la bagnole. Ah mais ma bagnole est déjà pleine avec des cordes de drap, sérieux. Bah vire, hein. Cordes de drap, tu peux jeter. Hein. C'est pas comme si c'était réellement... Comment ça, c'est moins critique, vous voulez dire, que du... Bah on a qu'à... Vu la tonne de zombies qui traînent autour du Tunis, on a qu'à... Il vaut mieux des bûches que des... que des draps. Bon après, je voudrais pas être trop désespérant, mais au niveau des bûches, je rappelle qu'il faut 4 bûches pour faire un seul pan de mur. Hein. Oui bah moi je m'en souviens bien. Hein, ouais bah on va faire ce qu'on peut, écoute. Hein. Mais, la prochaine fois on aura des cordes. Pas. Mais avec les cordes, non mais avec les cordes on en ramène un peu plus, hein, à moins d'avoir la chance d'avoir 40 cordes. Faut pas rêver hein. C'est juste tour des bâtiments. Je dirais que tu ramènes une bûche de plus par corde en fait. Moi il me faudrait un petit coup de flotte éventuellement. Ah bah moi j'avais oublié, déjà dans le coffre il y en avait 3 de base. Oh mais non, là c'est abusé, ma voiture elle roulait pas, je suis quand même tombé par terre quoi. Eh, tu peux boire dans le petit mobilhome. Il y a à boire dans le petit mobilhome, il y a une fontaine. Ouais, je vais y aller. Bah, je vais y aller aussi, tiens. Ah, il y a une petite fontaine. Boire. Accessoirement, il y a peut-être des trucs intéressants. Je trouve un petit stock ici avec plein de caisses. Moi je vais pouvoir en ramener. Bah après faut vous charger vous, hein. Faut charger vos sacs, faut vous mettre à 50 et tout. Hein. Bah moi ce qui est marrant c'est que. En fait il y en avait déjà dans le véhicule que j'ai pris. Il y en avait 3 dans le coffre. Mais tu les as vidés à la maison. Non, je les avais pas vidés. Mais j'ai dit vider les voitures avant. Mais tu crois que. Est-ce que tu Mais crois attends, que j'ai eu le temps, franchement, avec la panique qu'il y a eu. On est parti en mode urgence, on a rien eu le temps de vider du tout quoi. Ouais, c'est clair. Ah là là. Non, mais moi j'ai vérifié toutes les voitures avant de partir, sauf celle dont j'avais pas la clé. Et j'ai pas vérifié celle de Damned en fait. Oui, il y avait des preuves. Pourquoi je peux plus en mettre là? C'est trop lourd déjà. 18-2 sur 26, c'est combien de bûches? Il y avait des trucs dans ta voiture, je les ai jetés par terre. Le signe, j'ai vidé ta voiture avant de partir. Bah non, puisqu'il y a toujours les cordes en drap dedans. Ouais, bah j'ai pas tout vu. Je peux pas la démonter, est-ce que je peux la prendre pour la mettre ailleurs? Je peux pas. C'est vrai que ça fait loin hein, pour aller chercher quelques bûches quand même. Non bah c'est pas mal hein, détrompez-vous quand même. Hein. Ouais, je sais pas. Bah on va revenir avec 3 bagnoles. Et n'oubliez pas de vous surcharger, de surcharger les sacs. Ouais mais on a pas les cordes alors c'est un peu problématique. Non mais une corde c'est une bûche de plus, c'est tout. C'est mieux mais c'est pas... Ouais, d'avoir 50 bûches. Bah moi la voiture est pleine hein. Bah moi aussi, j'ai pu en mettre 9 dans la voiture et j'espère pouvoir en mettre presque autant sur moi.
Alors, je vais charger mon sac. Je vois qu'il y a des bâtiments. Je suis intéressé par visiter tous les bâtiments. Moi j'en ai 6 dans la voiture, il faut que je garde un siège pour Katox. Ouais. Moi j'en ai. Je peux en mettre encore une dans le coffre, j'en ai 10, je peux en mettre 11 dans le coffre. Ça on peut le virer. C'est dommage, il me manque pas grand chose pour foutre une dernière bûche dans mon sac, mais. Ouais. Je vais laisser mon yo-yo, hein, je suis désolé, mais. Non. Oh ton yo-yo! Il se trimballe un yo-yo depuis. Mon yo-yo, je reviendrai te chercher. Non, bah si on se met à 52 poids là et qu'on se surcharge bien et qu'on se casse le dos, normalement on peut en ramener pas mal plus. Hein. Ouais, mais bon, charge extrêmement lourde, risque de blessure, mouvement impossible, c'est une bonne idée. Ça. Quand t'es assis, ça compte pas normalement, tu te blesses pas. Faut surveiller ta vie quand même. Bah. Ouais. Moi, ouais, j'ai moyennement l'idée, moi. Anecdotique, moi. Je te rappelle que je suis nauséeux et tout déjà. Donc... Bah, toi, ouais, t'as peut-être pas intérêt à te surcharger trop. Bon, bah, moi je suis plein, Katox, si tu veux qu'on y moi, aille. Moi j'en ai 15. Mais j'en ai 15, de quoi faire 4 murs quand même. Ah, bah, si, j'ai mis tout ce que je pouvais dans le coffre. Ah, je vais sur le sol. Ah, tu peux pas passer? Attends. Non, c'est pas ça, c'est que je trouve pas de bûche. Franchement, ah, c'est, voilà. Super, c'est super chiant de fouiller en tout cas dedans. Bah ouais, parce que ça disparaît pas, donc t'es en train de faire le tour comme un con. Ouais. Dis-moi si bon. T'en trouves, c'est bon. J'ai trouvé. Là, je vais aller boire. Ouais, moi je commence à avoir des blessures légères là. Hein. Donc, non, moi j'ai... Même par assis contre, dans j'ai... la voiture. Hein. Ouais, mais t'as la nausée toi qui vient se rajouter en plus. De toute façon, t'as une petite perte de vie qui va s'accélérer. Ouais, je vois que ça descend. Bon, écoute, je vais essayer de rentrer avant que ce soit le drame. Bah, c'est peut-être dangereux pour toi. Moi, je pense que c'est plutôt à Katox de conduire, surtout. Bah, ça, sinon, tu me laisses le volant, comme ça, tu peux limite te faire des bandages, que sais-je. Bah, je peux pas faire de bandages, non, j'ai pas de blessure techniquement. Attends, je vais déposer la clé dans la boîte à gants, voilà. J'arrête le moteur pour descendre. Parce que si tu meurs, bon. Pourquoi je suis descendu? Je suis con, il suffit de changer de siège. Vas-y, parce qu'il y a un zonzon de l'autre côté. Ok, je prends le chemin du retour, tout le monde est reparti déjà? Vas-y. Pas moi. Au pire, je partirai après, c'est pas grave. Bah, je t'attends peut-être. Ouf. De toute façon, tu vas pas te perdre là maintenant. Hein. J'ai quelques bûches sur moi en plus, si je peux. Mais bon, j'ai peur de me faire mal. Tu peux aller tout droit normalement, c'est là qu'on vient. Mais c'est chaud avec l'angle de vue. Normalement, t'as la puissance d'écraser n'importe quel zombie avec cette voiture. Hein, c'est assez pratique. Même à l'arrêt, elle a aucun problème. Oh, j'ai 4 bûches sur moi, putain de merde. C'est pèse lourd. Moi aussi, hein, je commence à être blessé là en fait. Hein. Je me demande si ce qui se passe si je suis zombifié dans la voiture. Ça peut être drôle. Même assis, t'as... Ouais, même assis, ma vie abaisse. Hein. Ah bah ouais, alors... non, mais déconnez pas. Hein. On va les enlever. Hop là. Bah, moi je serai vous quand même. Je roulerai avec, puis je les laisserai sur le bord de la route plus tard. Comme ça, on aura moins à faire pour les ramener la prochaine fois. Laissez votre vie baisser jusqu'à la moitié si vous n'êtes pas zombifié. Pour ceux qui sont pas zombifiés, il y a moyen de... La vie remontera plus tard, hein, avec des bons soins, de la bonne nourriture. Bon, bah, je repars, moi. Non, je suis rendu à blessure mineure, moi. Par contre, moi, je suis pas du tout sûr d'arriver en vie parce que figurez-vous que j'ai pas de fenêtre côté conducteur. Et donc, bah là... où. Oula. Je roule sur les zombies, oula, n'importe quel zombie. Y'a que moi qui lag Katox ou tu lag également aussi? Non, c'est... Me zombifier. Je lag aussi, je sais pas... Moi ça va. La voiture est fait du surplace, elle recule, elle avance... Ouais, moi c'est des lags. Oula. Bah moi impeccable, alors bon. Fais gaffe, elle va nous rentrer dedans du coup. Ouais, ça m'inquiète un peu. Vous êtes plus sur le petit chemin dans les arbres là. On est sur la 4 voies sur la droite, donc tu peux rouler sur la voie de gauche. Le problème, moi, c'est que ça m'arrête et que du coup les zombies ils vont arriver jusqu'à ma fenêtre et ils vont me zombifier. Fais gaffe, y'a des voitures devant, Katox. Je sais pas si. Ouais, je vois. Qu'est-ce que c'est que cette couille là? Je sais pas, c'est un problème dans la mémoire peut-être. Moi j'ai aucun lag, hein. Étrangement. Nous la voiture elle avance tout lentement. Ah, ça y est, ça se débloque. Ça s'est débloqué. Ah, c'était particulier ça, tiens. Ouais. Bon, à moi de jouer avec la radio. Alors la radio, ouvrir la fenêtre. Fenêtre de mécanique. J'ai pas la radio. Ah, mais je sais parce que je suis sur le siège arrière, merde. Quand vous avez le. C'est vrai, c'est tellement bien fait ce truc quand même. Quand vous avez le. Quand vous êtes blessé à plus de la moitié, là, vous jetez les bûches par terre directement, elles vont rester sur la route. Vous laissez pas descendre en dessous parce que si jamais il y a des zombies dehors, vous pourriez.
faire une glissade. Ça pourrait être compliqué. Ah, y a rien à la radio quoi, ah. C'est la tristesse. Lag recommence. Ah la vache, ouais. Putain, j'en ai pas un seul, moi ça m'inquiète. Je sais pas si on est sur le même serveur en fait. Il a relancé un serveur solo, tu sais. Je prends le virage là où il y a le. Avant l'embouteillage. Je crois que c'est les chargements de zone. Ouais, dès qu'on change un peu d'avoir tellement de zombies qui se baladent de partout. Par contre, j'entends plus l'hélicoptère. Oh, il reste pas éternellement. Ah, c'est plutôt 2-3 jours en général, hein, donc. Que l'hélicoptère reste 2-3 jours. Ouais. Wow, ça pique ça. Mais il part et revient. Ah, en fait, on peut avoir une radio qui fait émetteur-récepteur. Mmh. C'est cool ça, on peut se parler en radio. Alors en fait, quand t'as un chat vocal intégré au jeu, et si tu règles les radios sur la même fréquence, tu vas entendre ce que dit l'autre. Alors là, faut même passer entre loin. La voiture rose et la carcasse. Ouais, je me souviens qu'on avait déjà, on avait déjà parlé de ça. Ouais. Tu peux pas t'entendre quand t'es pas à portée de voix et tout, mais. Ouais, c'est pour ça que t'as les talkie-walkie aussi. C'est bien fait, hein, pour les gens qui veulent faire ça RP, pour le coup. Bon, nous, ça compliquerait un peu les choses, mais. Ouais, c'est-à-dire que à ce moment-là, tu vas avoir des talkie-walkie. Faites gaffe, il y a Damnet qui arrive derrière. Non, mais c'est surtout que moi, je passe par là et j'en ai pour 2 secondes, quoi, mais bon, je vais te laisser faire, Slan. Regarde. Hop là! Je t'apprendrai à conduire un jour. Eh, dis pas ça à notre virage, hein. Bah si, justement. Bah je m'en sors très très bien, hein. C'est le problème, je vous l'ai dit, c'est que quand il y a des virages. Putain, Slan, t'as des lags, reste dans ta voix s'il te plaît, parce que t'as des lags avant-arrière et je sens que t'as coup tu vas te téléporter côté, sur ouais. Moi. Non, ouais, bah oui, mais ça arrive à tout le monde, parce que pour moi je roule très bien là, y'a pas de soucis. Ouais. Bah tu veux reprendre le véhicule et que je tente de choper la voiture Non, bah y'a pas d'essence. Oh putain donc, Mais Slan, t'es un beauf en voiture. Mais non, mais c'est là faut tourner à cet endroit-là. Mais tu vas trop vite, Dame Ned. Mais je vais pas trop vite, je roule normalement, mais c'est pas la tête. Derrière, il faut aller doucement. Mais. Non, attention, c'est plutôt. Attention, t'es censé pouvoir maîtriser ton temps de réaction. Je l'ai passé, Katox, c'est bon. En vrai, tu fais pareil quoi. Je veux dire, t'es dans une voie, il y a une voiture devant, c'est pas grave, tu lui coupes la route. Normal. Ouais, Moi j'ai jamais d'accident. Ouais. C'est toujours les autres qui en ont. Mais regarde, Damnet, t'es en train de me doubler. Tu sais qu'on va avoir un accident. Sauf que moi je t'ai doublé par la gauche proprement, j'ai pas coupé par la droite là. Moi je dis les viewers jugeront, ils ont la vue. La dernière fois que quelqu'un m'a doublé comme ça, en étant à 4 ou 5 mètres de la voiture, on a eu un accident. Oui, bah merci, je l'ai vu, tu m'as coupé la route hein. Et je t'ai tapé dedans. Non, toi tu as vu, le problème c'est que la voiture n'est pas où tu crois qu'elle l'est avec le serveur. Ah si, non mais moi. Des accidents. Non, j'ai touché quand elle est passée devant moi la voiture, c'est juste que t'as coupé la route. Mais c'est pas grave, les viewers verront et ils feront la voiture. Je parlais de l'autre fois. Ouais, bien sûr. L'autre fois où on était mort aussi. C'est pas pour rien qu'on t'a appelé virage, hein. D'ailleurs, tu portes bien ton nom. Il va falloir nommer les fois parce que ça va devenir dur à organiser. Ouais, on va leur mettre des noms. Ouais. L'autre fois où tu m'as fait le fameux coup de bâtard. Enfin, Slan, je t'aime bien quand même parce que j'ai plus de phare donc je vais avoir besoin de toi. Bah, je crois qu'elle a plus de phare, la voiture bleue. Je crois que j'ai vu un viewer qui disait qu'on pouvait changer les ampoules sans avoir des compétences en mécanique. Ouais, les ampoules, c'est ce qu'il y a de plus facile à changer. Hein. Ouais, puis ce qu'il disait aussi, c'est qu'on peut ramasser les ampoules sur n'importe quelle carcasse de voiture aussi. Ah ouais, bah oui. Même les cramer. Parce que bon, toutes nos carcasses de bagnoles sont mortes, mais. Non, pas les cramer. Attention, double pas Slan, Katox. Distance sécurité. Moi, je suis dans la voie de gauche parce que. Je roulais, en fait il y a un truc bizarre, j'étais dans la voie de droite, je roulais. Donc j'évite un zombie, et d'un coup je vois le sang du zombie qui m'arrive par derrière dans le coffre. Donc t'as décidé de te mettre juste devant moi. Ouais c'est ça ouais, non je vais surtout aller dans la voie de sécurité. Gauche. Ouais. Je pense surtout que t'es très proche de moi, un peu trop je pense. Mais j'ai pas bougé, j'ai rien changé. Ouais. Oh, regarde le signe, on va se marrer. Merde. Oula. Sans les phares. Avec les phares. Ah bah ouais, non mais moi quand je conduis moi, vu mon angle de vue, c'est plutôt sans les phares mais avec les phares allumés quoi. Ah c'est vrai que ça fait une trotte, hein. Je pensais pouvoir faire au moins 2 allers-retours sans vous pour blinder de bûches mais... Non, c'est tendu quand même. Hein. Moi je trouve que c'est loin pour ça. Enfin, c'est à moins d'avoir un semi-remorque mais je crois pas que ce soit prévu dans le jeu encore. Attention au virage.
Bah après avec ton coffre à 100 t'as dû pouvoir en rendre pas mal quand même. 11. Tout simplement. Bah oui 11. Oui, t'en as mis 11 dans le coffre. Waouh, moi j'en ai mis 9 dans toute la bagnole. Bah ouais, c'est une bûche c'est 9, le coffre il fait 100. 11 x 9 ça fait bien 99. Ouais, donc tu peux pas en mettre plus. Mais t'as pu en mettre 2 sur le passager aussi en plus. Ouais, t'en c'est ça. T'en as 13 toi. Plus j'en ai une seule sur moi. Ça fait 14. Ou 14. Oh, on a la petite émission de radio du raton laveur avec une mission. Ah, vous la... Eh ben on est sur la même fréquence. Par contre, j'entends la radio de Damned et j'ai l'impression que t'as mis le son de ta radio hyper fort. Ouais, il est à fond. Mais pourquoi? Bah pourquoi pas? Mais faut le mettre à 1, t'es dans la bagnole. Je m'en fous. On est trop loin. J'aime bien partager, moi, tu sais, j'aime bien mettre les... Attention, je suis arrêté sur la route. Pas moi. Ah, Katox, attention. Mais j'aime bien mettre les vitres à fond et mettre la... J'aime bien faire le kéké avec les lunettes de soleil et tout, moi. On est trop loin, si vous êtes à la voie ferrée, faut revenir et tourner ensuite, du coup, sur la droite. Non, je connais la route, hein, ça va. Oui, Katox, ça va avec une maîtrise. Prenez pas pour un con. J'ai les textes de la radio, mais je les lis pas, parce que j'imagine que vous les avez chez... Vous les avez aussi. On n'est pas sur la même radio que toi. Ah bah c'est un mec qui dit que les militaires c'était au courant de tout ce qui est arrivé. J'ai la flemme de lire. Waouh. J'ai ralenti dans la voie de gauche. Oh, parce qu'attention. Du cul de Twiggies là les gars. Il y a du peuple. Hein. Vous êtes au Twiggies là? Ah, arrive ouais. Ouais mais on est en pleine. Oh putain. Aïe. Attendez, comment vous avez fait? Ça veut dire que je suis allé trop loin en fait? Ouais, je te l'ai dit, si tu passes à voie ferrée c'est que t'es trop loin. Là t'es au mall. Là je suis au pont surtout. Vache. Oh shit. Oh ils attaquent les fenêtres et tout quoi. Bah klaxonner et est-ce qu'on se replie ailleurs? Ouais mais moi, je vais mourir et voilà. Aïe. T'es mort de où? De quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Et bah en fait j'ai pas de vitre donc je risque de me faire mordre si je fais du surplace ou attention, si je... Attention il y a une voiture derrière Katox. Moi je dis aller loin et klaxonner hein. Donc moi je coupe le moteur. Je vais mettre la clé dans le porte-clés. Je vais aller mourir plus loin. Je vais jeter les bûches par terre et je me casse. Oh, est-ce que vous, je vous conseille de pas rester au Twiggies? Non, c'est une mauvaise idée. Salut Stan. La voiture. Attention aspirateur. Alors, le problème, et klaxonner pour les attirer loin, non? Et pensez à couper la radio. Moi je l'ai pas fait, c'est un problème. Je coupe la radio. Oh. J'arrive pas à éteindre la radio de ma voiture. Ouais, maintenant que t'es là, tu peux peut-être klaxonner comme un porc, Katox, voir si ça les attire. Est-ce qu'elle touche encore? C'est A. Ah, vous êtes là-bas? La radio. Ça, je suis perdu, je vois rien. Alors là, je peux vous confirmer que toute la horde du Twiggies est en train de venir. Hein. Bah, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Y'a pas mieux, hein. De toute façon, c'est la solution, hein. Va pas trop loin, faut qu'ils nous rattrapent quand même. Ils ont détruit la pancarte du Twiggies. Non. Ah non. Touche pas à la pancarte. Écoutez, on va arrêter l'épisode sur ce dénouement tragique et on va voir si on arrive à rattraper le coup. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si ça vous a plu et bah du coup on se retrouve très vite. Hein. Ciao. Ouch. Cours. Ciao.